nouvelle. Vous voyez le sourire? Je mange parce que j'ai pas mangé parce que depuis 10h ce matin, je suis dehors. Lucky est sauvé. Lucky, je l'ai capturé moi-même. J'étais très contente quand j'ai entendu la... Il est très malin parce qu'il contournait, vas-y, nanana. Et je me suis dit, attends, toi, tu vas voir, je vais te mettre mon petit Lucky, je vais te mettre sur la trappe à manger parce que je voulais le mettre dans les barquettes. Et je me suis dit, il est rentré dans... Je l'ai mis dans la barquette au départ. Et en fait, il a mangé, il est ressorti. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je le mette sur la trappe. Donc, j'ai mis sur la trappe, hop, et j'ai entendu... Et j'ai sauvé mon bébé. Voilà, il est magnifique. En fait, c'est un chat typé birman. Peut-être un birman même. Poil très long. Ouais. Elle m'a dit birman ou typé birman. C'est pas trop. Tout comme moi, Ivy, elle est typée je ne sais plus quoi. Je ne m'en rappelle plus, elle est typée aussi... Elle a un mélange. Mais là, apparemment, il n'aurait peut-être pas un mélange. On verra. De toute façon, toujours est-il que Lucky est sauvé. Quand j'y parlais, il était content. Et je me suis disputée avec le monsieur qui lui donnait à manger, mais c'était 60 degrés dans la voiture, parce qu'il voulait donner à manger aux pigeons. Je lui dis, attendez, vous donnez à manger aux pigeons, monsieur, mais là, vous voyez bien qu'il y a la cage. Il me dit, ouais, mais vous allez tuer le chat. Il dit, je lui dis, mais non, mais vous ne toucherez pas au chat. Il dit, je m'en fous du chat. Je suis ah bon, parce que vous en foutez du chat. Je lui dis, mais c'est gentil quand même. Il a nourri, il nourrissait les chats, il est gentil. Ça part d'un bon sentiment. Mais je ne voulais pas qu'il ouvre la voiture, parce que je ne voulais pas que la cage, Lucky, soit affolée. Et du coup. Je lui dis, il me dit, ah ça y est, vous l'avez. Il me dit, ah bah ouais, voilà. Il me dit, ben moi je veux juste rentrer par la voiture. Je vais rentrer de l'autre côté. Il me dit, non, je peux pas aller fermer. Je fais, ben vous rentrerez pas. Ben vous rentrerez pas dans votre voiture. Il me dit, non, je vais voir, vous nous saoulez avec vos pigeons là. Bon, bref, j'étais très désagréable. Je me suis dit, je vais prendre un coup de marteau. Tout ça pour défendre Lucky. Parce que je voulais pas qu'il ouvre la cage et reprenne Lucky. C'est ça que j'avais peur. En fait, j'avais très peur de ça. Parce que l'autre fois, c'est ce que j'avais mis sur sentiment. Et du coup là. Mon bébé, il est parti avec la petite couverture de Yannick de bébé. Voilà. Et puis, je pense qu'il a 2 ans. Et puis, tout le monde m'a dit, oh là là, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait au moins 2 ans. Voilà. Donc, il a été abandonné. Et vous savez, quand j'ai mis une caisse, d'ailleurs, il faut que je remercie Home Déco. Quand je lui ai donné un carton, j'ai mis un carton et j'ai mis une caisse avec du papier bulle. Eh bien, il a fait pipi dedans. Pour me montrer que... Tu vois, je suis quelqu'un de bien quand même, je fais pipi dans une litière. Et ça, ça m'a touché, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mince. Et je dis, attends mon coco, si je t'ai pas aujourd'hui, je t'aurai demain. Excusez-moi, mais est-ce que j'ai pas mangé encore? Il est quelle heure là? Il doit être 3h30 ou 4h, je sais pas. Depuis 10h30, j'y suis. Hein. Et il est parti alors de la grande cage. Enfin, c'était pas une grande cage, je voulais pas une grande cage, je voulais une petite cage. Et de la petite cage, elle l'a transférée dans une toute petite cage en caisse en bois. Bon, et on ne les entendait pas, j'ai dit, mais on n'entend pas, parce qu'elle avait pris aussi une maman avec 9 petits chatons, trop beaux les chatons, des gris, oh, une merveille les petits chatons, et elle va les sauver, ils vont être adoptés, ils vont vite être adoptés les petits chatons, hein. Voilà, et si vous connaissez des familles d'accueil, eh ben, n'hésitez pas, si vous voulez adopter des chats, et que vous avez tout ce qu'il faut pour les adopter, et puis que, voilà, parce que vous savez, quand on adopte un chat, ben, c'est comme un être humain, hein, c'est pas... genre je te l'adopte et tout, puis après quand j'en ai marre, je vais partir en vacances, et ben je te le laisse, non, faut le garder. Donc un chat, ben c'est quand même quelque chose d'important. Et du coup, ben si ça vous intéresse, et ben vous pouvez aller à l'association Chat Doc, chat espace D apostrophe OC. Voilà, parce qu'ils ont plein de petits chatons, vous regardez sur internet, vous allez voir, ils ont un Instagram Chat Doc, et ils ont plein de petits chatons. Il y en a un qui est magnifique d'ailleurs. C'est Looping. Oh, Looping. Ah, il est beau. Hein. Il est trop beau, Looping. Et ce sont des chats qui ont été abandonnés, quoi. Et là, le petit chat, Lucky, c'était un chat qui a été abandonné, c'est certain, parce que vu comment il venait, elle me l'a dit aussi, Clémentine. Elle m'a dit, ouais, c'est un chat qui a dû être abandonné. Et là, une dame, elle m'a dit ce matin, ce chat, il a été abandonné. Maintenant, je vais vous mettre des vidéos quand même de la capture, oui et non, parce que c'est en fait, oui, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit montage de tout ça, mais surtout la dernière vidéo, quand je l'ai pris,
Il est parti, mais je suis trop contente, quoi. Je suis trop heureuse, c'est du bonheur. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut représenter. En plus, je rencontre mon ex-mari, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, mais j'essaye d'attraper un petit chat, tu peux m'acheter du thon parce que j'en ai plus, j'ai tout donné. Et en fait, quand il est revenu, il m'a ramené une boîte, un truc de saumon. Et je lui ai dit, ben, je l'ai laissé d'ailleurs. Il est fermé, j'ai complètement zappé, j'ai même pas ouvert pour les autres petits chatons s'il y en avait, j'ai complètement zappé. Et donc du coup, il me dit ça, et quand il m'amène le truc, il me dit, bah, tu l'as? Je dis, ouais, il est sous la couverture. Il me dit, c'est pas vrai. Il dit, c'est pas possible. Je suis trop contente. Oh oui, mange mon cœur. Mange mon bébé. Train de manger. Demain, normalement, il est trappé. Mais ça va être compliqué parce qu'il se laisse pas faire. Là, j'ai voulu, d'habitude, je le mets dans un petit truc. D'habitude, je mets, voyez, ça, et je le pousse. Mais là, il est craintif. Je vais mettre demain, je vais le mettre là, on va me le voler. Les gens, ils volent tout. C'est des pourris. Et ça, je vais lui mettre ici pour comme ça, il pourra dormir. Là, s'il veut. En attendant, ce couvercle, voilà. J'ai bien. Bon, oui, bon appétit, mon bébé. Bon appétit, mon cœur. Bon, oui. T'as tout mangé? Regardez-le, il mange. Oui, mon bébé. Bon, oui, c'est des bonnes choses. Alors ça, je vous assure que c'est le monsieur, le petit truc bleu, qui me l'a donné, où je vais régulièrement. Et voyez, là, c'est là où tous les gens lui mettent de l'eau à manger. Et malheureusement, ça attire les guêpes. Bon, il est temps, bébé, que tu ailles dans une association et que tu sois bien. Loki, Loki, mon Loki, voilà. Vous vous rendez compte, tout à l'heure, il y a des animaux qui lui ont, des chats domestiques, hein, qui lui ont piqué ce qu'il mangeait. Que lui, parce que je suis là. Les autres chats, ils ne viendront pas. Demain, alors, je vous assure que pour l'attraper, ça va être compliqué. Parce qu'il est loin d'être bête, hein. Il est très très malin. Voilà, bon appétit, mon bébé. Bon appétit, mon petit cœur. Bon appétit. Contente parce qu'il s'approche de plus en plus. Bois un petit peu, bébé. Bois un petit peu, mon cœur. Bois un petit peu. Oh, oui, mon amour. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu, mon bébé? Oh, regardez-le. Regardez ça. Regardez dans l'état où il est. Ce que je vais faire, par contre, je pousse. Ah, si, elle est là, la couverture. Elle est là, la couverture. Ce que je fais, je pousse. Pour pas qu'il y ait de bestiole. Et là, voyez, la couverture est là. Bon, allez, viens, viens bébé, viens. Viens mon amour, viens manger, viens. Viens, c'est là-bas, viens. Et là, je lui ai mis du thon, comme il aime, une bouche là, quelle horreur. Bon, moi, j'attends. Voilà, je lui ai mis ça, comme d'habitude. Allez, viens manger bébé, viens mon cœur. Voilà, faut qu'il rentre dedans, ça va se refermer automatiquement une fois qu'il sera dedans. Et je le mets sous une couverture. Mais il n'a pas l'intention de bouger. Allez, viens. Viens, mon bébé. Viens, allez. Allez, va manger. Va manger. Si j'arrive pas à le capter aujourd'hui, je le capterai demain. Mais je vais attendre au moins 3-4 heures pour le capter. Bébé. Là, il y a une grosse guêpe. Voilà, il y a des guêpes partout. C'est ça le problème. Donc, vous savez quoi? Je vais bouquiner. Je vais laisser venir. Ce qu'il faudrait, c'est que j'enlève la merde qu'il y a là. Pour pas attirer les guêpes. Mais elle est tellement sensible, cette cage. Bébé! Viens, mon bébé. Viens, mon petit cœur. Comment vous dire? Je sais pas quoi vous dire. Il est devant. Il sait que là, il y a la nourriture. Mais il va pas passer de l'autre côté. Il est très malin. Va manger, Loki. 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 Vas-y, Loki. Va. Voilà, il voit bien qu'il y a de manger. Il voit bien. Mais non, tu vois bien qu'il y a une cage, là. Il faut montrer, il faut rentrer dans la cage. Quoi, il est malade? Oui. Oh, on ne sait pas s'il est malade, mais en tout cas, il ne peut pas vivre comme ça longtemps. Bah oui. Écoutez, bon courage. J'espère que vous allez réussir. Ah, il y a le chat, là.
Non, non, c'est les proprios qui l'ont abandonné. Oh là là, non mais... C'est ce qu'on vient de me dire. Et qu'il pleurait, il miaulait, il miaulait, il miaulait. Mais je le vois souvent, oui. Mais c'est pour ça, là, c'est plus possible. Non, il veut pas. Pas du tout, il veut pas aller dans la cage. Non, mais sinon, on va être obligé. Oh, le salaud. Il m'a eu. Il est rentré dans la cage. Il a mangé le... Non, c'est pas ça. C'est que je suis bête. Parce qu'en fait, il aurait fallu mettre sur la trappe même, à côté de la trappe. Et il a juste mangé délicatement pour pas toucher la trappe. Oh, la sale brute. Mange, mon bébé. Mange. Loki. Bébé. Mange, mon chéri. Mange. Mange, mon petit cœur. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vais vous dire que je suis fière de moi. Loki. Loki, au bout de 3 heures. Voilà, Loki il est dans la cage, j'attends qu'on vienne le chercher. Voilà, et là j'ai mis une couverture. C'est une couverture de Yannick quand il était petit d'ailleurs. Loki, ça va bébé? Voilà, et il a eu peur, mais il a mangé parce qu'il y avait à manger dans le fond. Donc il a de quoi manger, il n'est pas mourant. La couverture, il respire parce que il y a la cage qui est quand même un peu ouverte là. Et il est dedans, le bébé, il est dedans. Loki, Loki. Bébé, pas du tout essayer de vous le montrer. Là, on l'entend bouger, on l'entend essayer de se sauver. Voilà, ben on va attendre. J'ai pas vu Clémentine encore, mais je suis trop contente. J'ai attrapé mon Loki. Il va être soigné, il va être chouchouté. On va enfin, il va plus vivre. J'ai tout nettoyé en plus parce que je me suis dit c'est très compliqué. Hein. Mais voyez, il a l'habitude. Et en fait, c'est un chat domestique. Je vais vous dire pourquoi. C'est lui qui miaule? Bébé? Non, chou, oh là là. Non, chou, bébé. Non, faut pas pleurer, mon bébé, c'est pour ton bien. Hein? Tu te rends compte que t'as vécu là pendant 2 ans? Là, maintenant, tu vas être heureux. T'inquiète pas, on te fera pas de mal. Bébé, on te fera pas de mal, c'est que du bien. Tu comprends? Non, Loki, ne pleure pas. C'est bien, mon bébé. C'est bien, mon petit chou. Tu vas être heureux, tu vas voir. Tu vas avoir une belle famille. Apparemment, c'est une famille qui l'a abandonné. Il a pleuré toutes les larmes de son corps, ce qu'on m'a dit. Il pleurait comme ça. Alors peut-être qu'il est pucé, mais de toute façon, en aucun cas, ils l'auront. Alors, il faut lui mettre une couverture pour pas qu'il soit affolé. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai prévu un petit marchepied. Et j'attends... Non, bébé, bébé, écoutez-le. Bébé, Loki. Loki. Non, chou. Non, chouchou. Non, bébé. Non, faut plus que je lui parle. Faut plus que je lui parle. Bon, Loki est là. Je vais vous le montrer. Bébé. Mon amour. Il est là. Voilà. Il est sauvé. Alors, comment vous dire que je suis contente. Ça fait 4 heures. Ça fait 1 heure déjà que j'attends parce que ça fait déjà 1 heure que je l'ai capturé. Voilà. Il est sauvé. Bah ouais, vous voyez avec le sourire. Par contre, je viens de le disputer, mais quelque chose de phénoménal. Si vous allez voir le live avec le bonhomme qui le nourrissait, franchement, je me suis pris la tête avec parce qu'il voulait donner à manger aux pigeons. Je lui dis, mais on n'en a rien à foutre de vos pigeons. Je lui dis, je suis désolée, ils détruisent tout sur leur passage. Les pigeons, ça va dans la forêt, ça va partout, ça va dans les bois, mais ça ne va pas dans une cité. Une cité, ça détériore tout. Vous ne voyez pas que tous les balcons sont détériorés à cause des pigeons parce que vous les nourrissez. Et je lui dis, non, je ne vous ouvrirai pas la porte de votre voiture. Il me dit, oui, mais je vais donner à manger à mes pigeons. Je fais, non, vous voyez qu'il y a le chat là. Vous me laissez tranquille. Alors du coup, il l'a senti, Loki, parce qu'il le connaissait. Du coup, il s'est mis à pleurer, Alors je lui dis, voyez, en plus, je sais que vous aimez ce chat là, mais vous faites plutôt du mal que du bien là, parce que là il vous entend. Alors il n'a pas besoin de vous entendre, s'il vous plaît, vous rentrerez pas dans votre voiture. Il me dit vous êtes méchante. Je fais, je suis pas méchante, je suis en train de sauver un chat, c'est différent, et vos pigeons ils sont en train de tout détériorer. Voilà, donc je m'en suis pris, je me suis dit je prends un coup de carabine, peut-être qu'il va revenir avec un coup de carabine. Du coup je me suis décalée un petit peu parce que j'attends Clémentine, et puis chouchou il est là, voilà. Et moi j'ai même un coca au cas où, j'ai des bouquins. Voilà, mais je suis fière de l'avoir eu. Je peux dire que j'ai sauvé la vie à mon chouchou, à mon Loki. Et je souhaite que, je voudrais être au courant quand il va être adopté, savoir quelle famille il va avoir. J'irai le voir souvent. La couverture, il va la garder. Ça va être la couverture qu'elle va mettre sur, dans sa cage. Parce que là, il va être mis dans une cage, il va être isolé dans une cage. Parce qu'il va falloir qu'il aille chez le vétérinaire.
Il va peut-être pas y aller tout de suite, hein, parce que là, elle prend 9 chats, une famille de 9 chats. Mais elle me répond pas et j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 5 heures, quoi. Franchement, ça me saoule, quoi. Voilà, mais bon, c'est comme ça. C'est du trapping. J'avais jamais fait ça. J'ai rencontré mon ex-mari, il me dit « Waouh, ça fait ça !» Je lui dis « Ouais, il me dit « C'est beau ce que t'as fait !» Voilà. Et maintenant, bébé Kadom. Loki, ça va mon bébé? Il est tout calme là. Il est rassuré, il sait que je suis à côté. Quand il l'a entendu, il était énervé. Bon, maintenant, moi, je suis pas très bien parce que j'ai envie de manger. Et le problème, c'est que j'ai pas beaucoup mangé ce matin et du coup, je m'attendais pas à rester autant de temps que ça. Je l'ai attrapé très vite. Hein. Parce que la première fois, il est rentré dans la cage. Enfin, très vite, en 2h30. Oui, en 2h30, j'ai dû le trapper. En fait, quand il est rentré dans la cage, la première fois, elle s'est pas refermée. Je dis, merde, attends, tu vas voir, je vais t'avoir autrement. Et là, quand j'ai entendu la cage et je l'ai entendu dedans, il a miaulé, mais j'ai tout de suite mis la couverture pour qu'il soit rassuré. Et sa couverture de Yannick, quand il était bébé, il adorait. Et ben voilà, cette couverture, elle va lui servir dans la cage. Hein, mon petit chouchou, tu vas être bien, mon bébé, fais dodo. Tu vas voir, tu vas plus vivre dans les... Tu vas être beau, tu te rends même pas compte. Quand je pense que l'autre bonhomme, le sale bonhomme, il m'a dit « Vous allez le tuer, il va mourir. » J'ai dit « Non, c'est vous qui le faites mourir. » Je dis « On a récupéré plein de chats comme ça. Et il va pas mourir dehors, il a que 2 ans ce chat. C'est tout ce qu'il a, quoi. Faut arrêter, quoi. » En fait, il a été abandonné, vous vous rendez compte? Je lui ai mis une caisse. Et quand je lui ai mis une caisse, je déteste être dehors avec les bestioles et tout ça, je déteste ça. Je vous dis, tout ce que je fais là, c'est des choses que je ne ferai jamais de ma vie, que j'ai jamais fait de ma vie. Je déteste ça, être comme ça, par terre, sur mon marchepied. Je déteste, moi qui fais super attention à tout, je déteste ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ben, je ne sais plus, puis vous ne pourrez pas me le dire parce que je ne m'en rappelle pas. Toujours est-il que... En plus, je fais de l'allergie, hein, super. Bravo. C'est de l'allergie au pollen. J'attends qu'elle arrive. Hein. Mais franchement, je suis trop contente de ce petit chat. Enfin, il va être sauvé. Voilà. Et comment vous dire ce que je ressens? Je ressens une fierté peut-être de l'avoir sauvé, une liberté parce qu'il est libéré. Et ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, je lui ai mis une petite caisse pour qu'il dorme dedans. Et bien, il a fait pipi dedans. Donc c'est bien un chat domestique. Et il y a une dame qui m'a confirmé que c'était un chat domestique. Donc, et que quand ils l'ont abandonné, il s'est mis à pleurer. Et elle m'a dit, il a peut-être 2 ans. Voilà, et ben mon bébé va faire un gros dodo là. Hein Loki, tu vas faire un gros dodo mon bébé. Bon par contre, je vous dis pas, je me mets beaucoup de trucs comme ça. Alors, par contre... Comment elle va me faire la gueule, alors là c'est même pas possible. Elle va me faire une gueule de dire non, j'ai peur des mouches, j'ai peur des guêpes, j'ai peur de tout. Je me suis fait piquer par une guêpe l'autre fois pour Loki. Là je suis un peu éloignée des voitures, donc c'est cool de ces voitures là avec ces pigeons là. J'ai pas peur, hein, comment je lui ai parlé. Après j'étais obligée de couper parce que je me suis dit je vais me prendre une patate. Mais je voulais pas qu'il touche au chat, hein. Mais pas du tout. Hein. Il dit mais je m'en fous du chat. Je dis bah c'est beau, tiens. C'est les pigeons. Mais je lui dis, les pigeons, on n'en a rien à foutre. Voilà, bah écoutez, je vais appeler Clémentine parce que là, je commence à être pas trop bien et fatiguée. Elle va s'en occuper. Je sais qu'il va être bien. J'irai le voir demain. Demain, j'irai le voir à l'association. Comme ça, ça lui fera du bien de voir une tête connue. Et puis, juste, je ferai un petit tour, quoi. Et puis je vais lui donner des petits jouets, voilà. J'espère que je vais lui dire la licorne, j'aimerais bien que ce soit pour lui. Voilà. Bon, elle n'arrive pas, hein. Franchement, c'est abusé, quoi. Bon, ben, sur ce, je vous laisse. En tout cas, merci d'avoir tenu compagnie. Je vous aime de tout mon cœur, je vous fais plein de bisous, merci pour tout. Et puis je vous dis à de prochaines vidéos qui vont être rigolote, mais là elle est, c'est bien parce que là vous me retrouvez parce que c'est tout mon bébé chouchou, il est là. Montrer, il est dans la cage, voilà. Oui chérie, t'es sauvée mon cœur, t'es sauvée. Voilà, j'attends que l'association arrive. Bébé, ce petit chat, ça fait 2 ans qu'il vit dehors. Ça fait 3 semaines que j'essaye de l'attraper. C'est Loki, on l'a baptisé Loki. Je l'ai trappée toute seule
Et voilà, il est sauvé. Il est sauvé. L'association va venir le chercher, j'attends. Et, alors, ça fait 4 heures que j'attends, mais c'est pas grave. Parce que ce petit chou est sauvé. Bébé, tu es sauvé, mon chéri. Tu es sauvé, mon cœur. Regarde-moi. Loki, tu es sauvé, mon petit ange. Ça y est. Tu vas avoir une belle famille. Tu vas voir. Mais oui, mon petit cœur, tu vas voir. Tu vas plus être comme ça. Tu vas être un beau chat. On vient te délivrer, mon bébé. Tu es content? Tu es content? Oui, tu es content. Ben oui. Ben oui. Et puis tu as à manger. Dans le fond, regarde, t'as du thon. Hein? J'ai du mal à te attraper, hein, mais je t'ai eu quand même, hein.